Allez, on repart. Enfin, je crois que c'est par là. Oh, ils sont nombreux! En mode Avengers! Par les portails! Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zénith en vue, on pourrait abattre leurs boucliers! Je charge l'appareil. Bouge pas! C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous. Des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Oh, ça y est. Non? Vraiment? Alors tant pis. Plombez-les! Sommes-nous censés avoir peur? Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là. Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se payer un chemin. Arrêt! Je dois atteindre le sommet de la tour et libérer Beta. Aloy! Crève, foutue machine! Toutes mes excuses. On va s'en tirer si Alva ne traîne pas. Je suis presque dans le réseau! Fais tant mieux. Le jeu qui me donne des maths. Truc, c'est pas bon. C'est quoi ça? C'est rien. Bon, un ascenseur. C'est un début. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi, tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu me fais ressentir tout ça, Camille. Tu l'as senti passer, hein? Ah.
Alors attends, tu joues à ça, d'accord. Tu veux voler. Ah, il est où mon machin là? J'adorerais t'emmener avec moi. Les moins malins sont au bouclier, hein? Aloy, t'es là? Je viens pour t'aider. Je dois juste trouver par où passer. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein? Va bien, ça ira. Je suppose. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les. On va remettre un haut de purge. On va le mettre. Voilà. Les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. Moi, j'aurais voulu faire un meilleur combat, mais finalement, bon. Il y a des trucs là. Je devrais prendre l'ascenseur. On regarde s'il y a des trucs à choper. Merde. Ouais, à peu près. Je me suis loupé. S'occupe des derniers spectres. Et les zéniths. Mort, je crois. Saw m'a dit que t'avais eu Eric. Bien joué. Ouais. Merci. Ça veut dire qu'il ne reste que Tilda et Gérard. Aloy, t'es là? Écoute, je suis entrée dans le réseau, mais j'ai été éjectée au bout d'une minute. J'ai trouvé des plans de vol et des trajectoires. Comme si les Zéniths avaient prévu de quitter la Terre. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais ce n'est pas tout. Les fichiers que j'ai trouvés mentionnaient fréquemment un certain Némésis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur aux Zéniths. Alva? Alva! Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être que Beta pourra m'aider à comprendre.
Allez, cette fois on se loupe pas. Ah, je l'avais pas vu. Que ça va. Écoute, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de la base ont grillé. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les zéniths vers la Terre. Là. Vecteur de vie. Alva avait essayé de me prévenir. Les zéniths ne comptent pas rester ici. Plutôt un essaim, les relevés énergétiques sont astronomiques. Aloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Ah, c'est elle la vraie méchante alors peut-être.
voit que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est? C'est nous. Les esprits de Zénith lointain. Ou plutôt de Palcopie, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés, laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils système, code d'accès. Il a tout piraté avant qu'on ne voie quoi que ce soit. Skynet, en gros. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire. Y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès. Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir, vers une planète inconnue, près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan. Pas le choix. La Terre est condamnée, Aloy. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Elisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Elisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici, où elle est morte, avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis 1000 ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. Et si, Anna, autant. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher! Cours vers la grotte! Abandonne, Aloy. Tu ne gagneras pas. Cette armure pour pouvoir faire des dégâts. Saloperie. Je peux viser sa cuirasse dorée.
Ah, vite. Ces plaques dorées sont vulnérables. Abandonne. Jamais. Bitch. Demande-toi pourquoi tu te retiens. Tu l'emporteras pas, Tilda. Combien de temps est-ce que tu pourras tenir? Oh, tout va bien. Est-ce qu'elle a voulu t'enlever? Et elle t'a dit pour Némésis. Alors tu savais depuis le début? Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et t'aurais pas pu m'en parler? Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris par Hadès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là. Et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténacs. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée, de m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon, afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir, un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non.
Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de Zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Elisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui est au nom de ce qui pourrait advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée? Toujours debout. Grâce aux 10. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller. Elle a l'air triomphale. Comme toujours. Aloy, tu as réussi. Est-ce qu'il va? Il part le plus loin possible de cet endroit. Oh. T'es sûr? Tu restes? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire? Pas si c'est ta bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère que c'est vraiment fini cette fois. Et notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde. Mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. Intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité. Se relever après tous les échecs. Quant à moi, je peux pas dire que j'ai pas peur. Les
épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. Beyond the shore, this weight of ruin.